L'association L'Arbre Bavard, c'est une association d'art vivant qu'on a créée l'an dernier. Avec 8 personnes. On est 8 jeunes entre 20 et 23 ans. Le but de l'Arbre Bavard, en fait, c'est donc une association qu'on a créée pour pouvoir mettre en place un festival d'art vivant qui soit une plateforme de soutien aux jeunes créateurs et créatrices. Et donc des jeunes professionnels du monde du spectacle ou en voie de professionnalisation. Ce premier festival, il aura lieu le 7 et 8 août. C'est un week-end. Et voilà, on peut retrouver les informations sur notre site internet et après sur les affiches qu'on mettra en place avant le festival. Et il y aura plusieurs espaces de représentation différents sur le site. Et donc chaque jour, il y aura entre 6 et 8 spectacles ou formes artistiques d'une trentaine de minutes qui seront présentés au public. Et les spectateurs pourront choisir les spectacles qu'ils vont voir et l'ordre dans lequel ils vont les voir et créer ainsi leur propre parcours dans le festival. On veut que ce soit un festival d'art vivant, donc il y aura du théâtre, il y aura de la danse, du cirque. On a envie vraiment que ce soit un moment de partage et un peu d'émerveillement. Et puis en fait, maintenant, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de se retrouver autour de la culture. Donc on pense vraiment le festival comme un événement familial et convivial et où tous les curieux, qu'ils soient petits ou grands, peuvent venir et s'émerveiller avec nous. Au lever du jour. Notre association, elle est aussi très engagée pour la défense de l'environnement. Donc le festival, il est pour nous aussi un moyen de mettre à l'honneur la nature et le territoire rural de la Mayenne. Donc on fait en sorte que le festival ait le plus petit impact écologique possible et on s'associe aussi avec des producteurs locaux pour l'offre de restauration donc sur le site.